Bonjour à tous, voici le screencast traitant de la liaison hydrogène en complément du cours 5 de Chim 112. Prenons l'exemple de la molécule d'eau. Dans la molécule d'eau, la liaison hydrogène est une liaison qui relie un hydrogène à l'oxygène d'une autre molécule. C'est une interaction de type électrostatique. Dans le cas général, il faut en effet que la liaison H hétéroatome soit polarisé moins delta plus delta. Donc il est nécessaire que l'atome A soit électronégatif petit et que l'atome B possède un doublet électronique non liant. La liaison hydrogène s'établit donc ainsi entre un site plutôt riche en électrons, qui est l'élément B, et un site pauvre en densité électronique, qui est ici l'hydrogène. La liaison hydrogène est donc symbolisée ici par un pointillé. Cette liaison a comme particularité d'être très peu énergétique par rapport à une liaison covalente, mais très fortement énergétique par rapport aux interactions de Van der Waals, de l'ordre de la dizaine de kilojoules par mol, énergie attractive, spécialement élevée si les atomes qui sont mis en jeu sont les atomes d'azote, d'oxygène et de fluor qui sont à la fois particulièrement électronégatifs et aussi de petite taille. L'espèce attirée par une liaison hydrogène ou liée par liaison hydrogène à un hydrogène d'une molécule peut être aussi une espèce anionique puisque, comme F- ou Cl-, ces espèces ont des doublets électroniques non liants. Les trois molécules les plus célèbres et les plus sujettes donc à liaison hydrogène sont H2O, la molécule d'ammoniac et la molécule de fluorure d'hydrogène. La structure géométrique imposée par l'aspect directionnel des liaisons hydrogène va se retrouver dans l'exemple de H2O lorsque l'eau gèle. Eh bien, le fait qu'il existe quatre liaisons hydrogène par molécule d'eau, deux qui sont dirigés vers les doublets non liants de la molécule et deux qui sont naturellement dirigés en face des atomes d'hydrogène, eh bien cette structure d'oxygène hybridé sp3 ressemble beaucoup à une structure de type diamant pour un carbone qui serait lui-même hybridé sp3, c'est-à-dire que à trois dimensions, cela va nous donner une structure hexagonale qui se déploie dans l'espace et qui explique naturellement que lorsque l'eau gèle, celles-ci prennent une structure hexagonale. L'eau liquide est quant à elle modélisée au niveau microscopique par un enchevêtrement de macromolécules de type H2O N fois. Ces macromolécules coexistent avec des molécules libres et en permanence l'agitation thermique, on le voit sur cette animation, fait passer des molécules libres à l'intérieur de l'agrégat et inversement des molécules de l'agrégat vers les molécules libres. La température est un facteur qui détermine le nombre moyen d'agrégats. À 21 degrés Celsius, on compte en moyenne 57 molécules agrégées. À 90 degrés Celsius, il n'y en a plus que 22. Et il faut voir que la liaison hydrogène est à ceci de puissant qu'on peut compter qu'à 100 degrés Celsius, il y a seulement 44% de molécules qui sont à l'état libre, donc encore une grande partie des molécules qui sont agrégées. La longueur de la liaison hydrogène est évidemment supérieure à celle d'une liaison covalente, pour la bonne et simple raison qu'elle est aussi moins énergétique. Si on compare les distances, 96 picomètres pour une liaison OH, et au contraire, ici, 180 picomètres pour une liaison hydrogène. Ceci a des conséquences donc sur la plus ou moins facilité de rupture de cette liaison, puisqu'elle est plus longue qu'une liaison covalente, elle sera moins énergétique, donc plus facile à rompre, notamment avec une hausse de température. Et la distance assez élevée explique notamment pour la glace le fait que l'eau liquide prend plus de volume lorsque celle-ci gèle, puisque les molécules s'orientent de façon à respecter la distance relativement grande entre deux molécules, la distance de la liaison hydrogène. Et cela donc provoque des vides entre les molécules, donc une densité de la glace qui est plus faible que celle de l'eau liquide.
quelques applications de l'ion hydrogène sur, par exemple, le fil de soie. La soie naturelle est un matériau qui va absorber beaucoup l'eau et qui va aussi retenir l'eau. On observe ici des gouttes qui sont retenues. Et à l'intérieur du fil de soie, on a un phénomène très absorbant. Pourquoi? Parce que le fil de soie est constitué de feuillets enchevêtrés de fibroïne. Ces feuillets sont constitués de quatre brins de polypeptides assemblés par liaison hydrogène au niveau ici d'une liaison entre un oxygène et un azote portant un atome d'hydrogène. Le grand nombre de liaisons hydrogène à l'intérieur de ce feuillet va expliquer la solidité du brin de soie, même si le brin est très très fin. Détail, voilà les chaînes peptidiques, polypeptides, qui sont les unes en face des autres, et on voit clairement les oxygènes en face des hydrogènes, liés ici par liaison hydrogène, avec un grand nombre de possibilités tout au long des chaînes, qui permettent aussi éventuellement d'intercaler des molécules d'eau qui viendraient gonfler le fil de soie. Pour finir, un exemple avec l'ADN. L'ADN est une double hélice qui s'enroule sur elle-même, dans laquelle on retrouve les acides aminés adénine, thymine, guanine et cytosine, qui sont effectivement aussi liés par les ions hydrogènes entre l'oxygène ici et l'azote portant un hydrogène, exactement comme dans la soie, avec trois liaisons hydrogènes entre guanine et cytosine et seulement deux entre adénine et thymine. Ça a une conséquence notable sur la réplication, le mécanisme de réplication lorsque l'ADN se réplique. Merci, à bientôt.